Bonjour, je suis Dr. Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de santé publique, Sudbury et District. Alors, le vaccin contre la COVID-19, on a tellement de questions et tellement d'espoir dans ce vaccin. C'est vrai qu'on n'a pas encore reçu beaucoup de vaccins dans notre région, mais jusqu'à maintenant, on a été capable d'offrir la première dose aux résidents dans les foyers de soins de longue durée dans notre région. Je suis contente de savoir ça, mais aussi contente de savoir qu'on va recevoir d'autres vaccins cette semaine. Et pour ces vaccins, on va cibler le personnel qui travaille dans les maisons de soins de longue durée et aussi les résidents qui vivent dans les maisons de retraite. On va aussi offrir le vaccin aux fournisseurs de soins et de personnel dans le système de santé qui sont établis comme le plus haut prioritaire dans notre région. La semaine ensuite, on s'attend à offrir le vaccin aux peuples autochtones de notre région. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés jusqu'à maintenant. Alors, je leur remercie tellement de leur aide, soit dans les municipalités, soit dans le système de soins, de santé. Et tout le monde ici dans la région de Sudbury et District pour votre patience avec nous. Je sais que jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable d'afficher beaucoup de détails sur notre site web ou dans nos médias, mais ça s'en vient. Il y a beaucoup de travail qui se passe derrière scène pour être capable de vraiment établir les locales pour les cliniques. Comment est-ce que les gens peuvent fixer la date de rendez-vous pour le vaccin, les priorités, etc. Alors, je vous remercie, mais aussi un petit rappel que maintenant, en attendant le vaccin, qu'on garde les mesures de santé publique pour vraiment freiner autant que possible la propagation du virus dans notre région. Alors, merci tout le monde et bonne santé.